tous amis chasseurs de trésors et bienvenue dans une nouvelle vidéo des trésors de Good Game. Aujourd'hui on va se trouver un petit truc sympa, je sors ça de mon coffre à trésors et aujourd'hui j'ai un petit peu un truc exotique, c'est tout simplement on va dire un peu des goodies. Et donc des goodies sur quoi? J'ai commandé ça sur Wish, j'ai trouvé ça pas cher, j'avais payé ça 4-5 balles je crois à peu près. Et donc, je vous présente quoi? Des stickers de Cyberpunk. Voilà, je suis un gros fanboy qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir mettre les mains sur Cyberpunk. Voilà, qui va bientôt sortir. Et du coup, j'ai commandé ça. Donc, qui sont des petits stickers. Alors, c'est pour le délire. Et je vous présente ça en vidéo. Donc là, on a quoi? On a Kenny Reese en star de, en superstar du rock and roll. Donc, vous savez qu'on aura la possibilité de voir Kenny Reese qui sera plus ou moins notre mentor. Donc, c'est assez basique. Alors, la qualité, bon, on dirait que c'est assez basique. Bon, je vais pas payer ça trop cher, mais je me suis dit c'est assez sympa. Je voulais avoir quelques petits stickers pour le fun. Je trouvais ça pas trop cher, donc on va faire le tour. Alors il y en a quelques-uns hein, quand même, et du coup ça donnera peut-être des indications un petit peu sur l'univers du jeu. Alors là on a encore Kenny Reeves, donc avec un Cyberpunk 2077 plus en portrait. Donc la qualité, ouais c'est du basique, hein, c'est pas brillant, c'est pas mat non plus, c'est entre les deux. Donc voilà, je pense que ça a été imprimé sur des grandes feuilles autocollantes, mais bon, du coup, ça reste quand même propre. Et après, la découpe est plutôt propre, par contre. Ça a été fait, je pense, avec une machine. Donc, voilà. Alors, on a quoi d'autre? On a... Oh, ça, c'est un perso d'un groupe. Alors, par contre, je ne sais plus du tout. C'est peut-être les Voodoo Boys. Donc, c'est le groupe un peu afro-américain, là. Donc voilà, alors, la qualité, bon, j'ai envie de vous dire pour le prix, je m'attendais pas à un truc de ouf, mais je me suis dit ça peut être sympa, je les aurais peut-être bien mis, vous savez, dans un espèce de cadre en fait, un petit peu comme ça, les uns à côté des autres et tout, voilà, ça peut être sympa, faire une petite déco. Et donc on a quoi d'autre? On a un espèce de single tech, ok, ça je sais pas à quoi ça sert, c'est même pas un... Même pas un stickers. Alors, on a quoi d'autre? Tiens, je vais les mettre en fond. Ça peut être sympa. Comme ça, on les verra tous à la fin. Alors, attendez. Hop. Bon, c'est un petit délire, hein, mais voilà. C'est bon, moi, j'ai des tripes un peu collectionneurs. Un petit peu atypiques. Puis, ça prend pas trop de place. Alors, par contre, celui-là est très, très sympa. Franchement, assez cool. C'est le Street Kid. Hein. Enfin, plus ou moins. Ça dépendra de la faction que vous allez prendre dans le jeu. J'ai vraiment hâte de poser les mains sur le jeu. Voilà, donc ouais, mais en fait j'aime bien, c'est, alors je sais pas, ils ont peut-être chopé des images du jeu ou des images sur internet. Vous savez, c'est un truc chinois, alors je sais pas, les chinois sont capables de tout, ils sont trop forts. Alors donc voilà, mais très sympa, j'aime beaucoup le, bon, la qualité du sticker, c'est pas ouf ouf, mais voilà. Alors là c'est pareil, j'ai l'impression que c'est encore une meuf du clan Voodoo Boys. Voilà, mais la qualité d'impression, elle est propre. Voilà, bon, c'est pas... Ah, du coup, ça, j'adore, parce que c'est mon fond d'écran. Voilà, non, je ne suis pas un pervers, c'est juste que j'ai kiffé, en fait, la cyber stripteaseuse qui se fait arrêter par tous les keufs. Il y a des gens qui sont complètement... elle a déglingué tout le monde devant. Voilà, mais c'est vrai que la qualité est pas mal. Alors, à voir, ouais, je pense que je vais me faire ça sur un... C'est un espèce de fond. Je vais essayer de voir. Ou peut-être que je me trouverai un espèce de poster un petit peu cyberpunk, que je me mettrai ça dessus. À voir. Mais la qualité, enfin la finition, elle est propre, quoi. Ça va, ça reste franchement assez cool. Donc là, on a le. On a. Ça, c'est un des artworks du jeu, mais je crois que ça représente. C'est un clan encore, mais je ne sais plus lequel. C'est assez cool, hein, franchement, assez sympa. Alors finalement, c'est mat. Ouais, c'est un peu mat, donc du coup, c'est pas plus mal. C'est voilà. Alors, à voir. Donc là, on a une meuf donc qui est sur une moto. Assez cool. Ouais, franchement, assez sympa, j'avoue.
Ensuite, on a quoi? Bon, j'accélère un peu parce qu'il y en a pas mal. Donc là, on a un espèce de. Un mec qui s'est fait. Pardon. Un mec qui s'est fait complètement refait et du coup qui est complètement. Bah, il est cybertisé. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Cybernisé, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire. J'ai du mal avec le français là. Là, on a une meuf. Alors, réellement, je ne sais pas si tout vient de Cyberpunk. Parce qu'au final, même si ça vient pas de Cyberpunk, comme on ne connaît pas encore le jeu, on ne sait pas encore. Mais je pense. Ouais, ça a l'air. Hein. Ça a l'air quand même. Donc ça doit être notre perso avec en fond la voiture. D'ailleurs, les voitures ont l'air tellement stylées. Les motos d'ailleurs aussi. J'ai vraiment hâte de tester le gameplay. Donc voilà. Ah, celui-là est super. Franchement, assez cool. Alors, c'est tout petit. Hein. Ça fait 3 cm sur 4-5 cm. Je pense que voilà, vous voyez par rapport à la taille de mes doigts. Hein. Mais voilà, je pense que je vais faire une petite déco cyberpunk. Ça peut être pas mal. Alors ça me rappelle quelque chose. Donc ça, ouais, c'est un des persos. Donc ça, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des personnages qu'on n'a pas trop vu encore. On n'a pas vu. Voilà. Enfin, moi, j'ai vu un petit peu avec le monde de Cyberpunk, le bouquin que j'ai mis en vidéo sur ma chaîne, là, si vous êtes intéressé, d'en savoir un petit peu plus. Donc celui-là, par contre, très joli ici. Super artwork. Très, très sympa, franchement. Pas déçu. Je pensais que ça allait être quelques-uns en double, mais en fait non. Donc là, c'est le blouson samouraï du perso principal, Cyberpunk. Très cool. Ah, ça, je sais pas c'est quoi, c'est le plan d'un. Ah, yes! Il me semble que. Attendez, c'est à l'endroit, non? We have a city to burn. We have a city to burn. Très sympa aussi, celui-là. Donc si vous aimez l'univers cyberpunk, sachez que voilà, il y a des petits. C'est toujours sur Wish. Toujours des petits stickers sympas. On peut mettre ça, je sais pas, bon, après, sur un bouquin. Enfin, sur un bouquin, sur une pochette. Ou s'il y a des étudiants qui regardent et qu'ils ont envie de customiser leurs affaires d'école. Bon, celui-là, c'est un classique. C'est un petit peu le. Je pense que ça sera plus ou moins le mec qui sera sur la pochette du jeu. Peut-être, je ne sais pas. On ne la connaît pas encore vraiment, la pochette du jeu. Celui-là, assez cool. Ça fait penser un petit peu à Harley Quinn en version 2077. Alors là, on a quoi? On a un perso, je sais. Pour être honnête, je ne sais même pas si c'est tous les persos du Cyberpunk. Hein. Voilà. Par contre, c'est assez joli celui-là. Il me fait penser un petit peu à Metal Slug. Ça me ferait penser à un perso de Metal Slug. Là, on a quoi? Wouh! Là, tout refaire. Est-ce qu'on va visiter Paris dans le jeu? Je ne sais pas. J'ai un doute sur ce sticker. Voilà. Ça, c'est presque les stickers que les packs ils pourraient nous vendre en bas de la Tour Eiffel. Très sympa celui-là. Celui-là est très joli. Franchement, très 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 sympa. Là encore, du Keanu Reeves, mais là il est avec son chien. Ah, ça fait penser à du John Wick. Qui a buté mon chien? Qui a buté mon chien? Voilà, je vais tous vous buter. Ensuite, on a, je pense, un décor de Night City, sûrement une ruelle ou un quartier un petit peu, c'est quartier chaud. Ensuite, ça, je pense bien que ça fait partie du jeu. Alors, attendez, j'essaie la mise au point. Allez, voilà. Très sympa aussi celui-là, franchement. C'est une petite meuf là, avec les cheveux bleus, prêt à buter tout le monde. Ensuite, on a quoi? On a un espèce de. Peut-être un mec de gang. Très sympa aussi. Il y en a un paquet, hein. Il y en a, attendez, 1, 2, 3, ouais, ok, bah, je dois en avoir au moins déjà une trentaine là. Très sympa, encore un perso du. Je pense que ça doit être un des boss des gangs. Parce que forcément, il y aura peut-être des boss à tuer au niveau des gangs. Un ou plusieurs boss d'ailleurs. Très sympa aussi celui-là. Celui-là aussi, très sympa. Alors apparemment, je pense qu'on aura de la customisation. Homme ou femme. Alors, je sais pas si on aura les mêmes customisations entre les hommes et les femmes. Voilà, mais très très sympa, très propre. Ouais, ça pareil. Je sais, ouais, ces personnages, je sais pas. Parce que bizarrement, ils ont pas tout à fait le même style que les autres stickers. Ouais, c'est assez cool. Là, le NCPD. Ah, ça oui, c'est bien le Night City Police Department. Hop.
Alors, je vais essayer de mettre comme ça, qu'on voit un peu. Bah, franchement, stylé, hein. Ça doit être le logo, je pense, des flics, enfin, de la police de Night City, anti-cyberpunk. Alors, c'est tout léger. Anti-cyberpunk 2077. Donc, l'impression, elle est correcte. Franchement, hyper correcte. C'est juste la qualité du papier qui est pas oufissime. Mais, alors, We Have a City to Burn, bah, c'est encore le même. Donc, j'avais un petit peu peur d'en avoir en double, mais du coup, ça va. Pour l'instant, j'en ai qu'un. C'est cool. Ok, donc ça aussi, ça doit être un autre perso. Alors, par contre, celle-là, ouais, c'est. Le design est un petit peu différent des autres, mais on reconnaît bien le style cyberpunk. Là, pareil, je pense que celui-là, ça doit être un perso de cyberpunk aussi. Assez cool. Très sympa. Là, par contre, c'est hyper léger. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ouais, franchement, il y en a qui sont stylés. Hein. Je sais pas où ils ont eu. Je sais pas, ça, je pense pas que ça soit de l'officiel. Hein. Si c'est du chinois, je sais pas. Alors peut-être qu'ils ont récupéré ça, peut-être pour des artbooks ou des trucs, peut-être qu'il y aura dans les jeux. Très sympa, ça c'est le logo samouraï. Franchement, pour être honnête, je pense que voilà, mis les uns à côté des autres et tout, je pense que ça peut faire un cadre assez sympa. Franchement, je vais m'organiser ça. Si je le fais, je vous ferai peut-être une petite vidéo comme ça par la suite pour le résultat. Donc là, pareil, une des rues, sûrement dans plus ou moins. Alors, je sais pas, il y a plusieurs villes, donc ça sera peut-être pas toujours Night City. Voilà, un autre samouraï, très sympa. C'est pas tout à fait le même que l'autre, c'est pas la même couleur, il est noir et rouge. Un petit Cyberpunk 2077, donc. En noir cette fois-ci. Alors je pense vraiment que je vais me faire un cadre parce que du coup je me dis sinon je vais laisser dans le plastique, je les sortirai jamais. Ça serait assez dommage. Je pense que je vais peut-être me faire un fond noir et les coller dessus. Un autre samouraï, encore assez sympa. Franchement des stickers de qualité correcte pour le prix. Un autre logo Cyberpunk, bon ça c'est un artwork assez connu hein, du jeu, même quand ils faisaient les Nightwire. Là pareil, celui-là est très joli aussi. Bah, les artworks sont cool, hein, franchement. Voilà, la qualité est basique, mais ça va. C'est passable, j'ai envie de dire. Surtout qu'il y en a un paquet, là je sais pas, je dois en avoir au moins 60, pas loin de 60 là. Encore le Kenny Reeves. Ah, là, un petit peu plus sexy, olé olé, très sympa aussi. Ouais, c'est cool. Bah écoutez, je suis pas déçu pour le prix, franchement, j'ai pas payé ça grand chose. Je crois que c'était 6 euros en tout avec les frais de port, bon, comme ça coûte rien parce que bon, les stickers sont pas très lourds. J'essaie de mettre ça dans le bon sens. Là, on a un artwork avec, j'ai l'impression que ça ressemble à des pagodes. On a un côté un petit peu, je pense que c'est le quartier chinois de Cyberpunk. Allez, il nous en reste plus que deux et ça sera déjà pas mal pour une petite vidéo. Voilà, encore un artwork Cyberpunk avec le Street Kid, Samouraï. Et donc le dernier, les amis, voilà, donc c'est. Attendez, j'essaie de lire Amber. J'ai l'impression que c'est marqué Amber. Je sais pas si vous lisez pareil que moi. Voilà les amis, donc c'était les stickers Cyberpunk. Donc vous voyez, j'en ai ouais, au moins. Je vais entre, pas loin, entre, je dirais entre 50, peut-être une cinquantaine, je ne sais plus exactement combien c'était marqué. Voilà. Mais je suis assez content, c'est assez varié, j'ai eu qu'un double en fait. Donc, dans l'ensemble, c'est assez cool. Je pense essayer de me faire voilà, une petite déco, à les mettre tous un petit peu les uns à côté des autres. Et puis faire un truc assez propre, peut-être même découper les parties blanches autour pour que ça soit encore plus joli et que ça fasse un peu moins stickers. Voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous a plu pour les trésors de Good Game et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut! Like, abonne-toi si tu ne veux pas que je réduise ta galaxie en poussière!